Ils ont changé le 2P 4P sur le mage Frost. Avant, donc on avait le 2P qui augmentait les javelots et le 4P qui augmentait les orbes, les dégâts des orbes quand on envoyait les javelots. Ok. Je pense que via ce que je vous avais montré, notamment sur le pop d'orbes de fou malade avec le Spellsinger, avec notamment. C'était ça ? Ouais, c'est ça. L'enseignement de Givre-Sort qui fait que à chaque fois que tes Frost Splinter font des dégâts, t'as 2% de chance de reset le cooldown de l'orbe. Ok ? Et faut savoir que l'orbe, les dégâts de l'orbe sont augmentés que 20%. Avant c'était 3%, ils l'ont descendu à 2%. Et malgré ça, c'est vrai qu'avec le 4P, on s'apercevait que bah, les orbes faisaient énormément de dégâts. Je sais pas si j'ai encore. C'était en chiffre-feu là, mais. C'est vrai que ça faisait beaucoup trop de dégâts. Du coup, ils ont dit, bon les gars, on va changer. Du coup, on oublie l'orbe, il n'y a plus d'orbe, ok. Et maintenant le 4P, donc on a toujours le 2P avec les javelots augmentés de 8%, et le 4P, tous les doigts de givre, tous les dommages de doigts de givre, ok, invoquent un frigide pulse qui fait 16K de dommages sur les ennemis. Enfin, fait des dégâts sur les ennemis autour de votre cible. Voilà. C'est réduit à partir de 8 cibles. Donc on est vraiment sur une spé. Sur une spé javelot de glace. Hein. Sur une spé javelot de glace, ça confirme qu'on jouera pas avec la pointe glaciaire. Ça confirme que c'est possible qu'on joue avec Space Slinger. De toute façon, on va essayer les deux. On va voir. Je trouverais bien quand même un mythique plus. Y a pas Mythic Plus ? Ah si, Donjon Mythic Plus. Ah non, ça c'est... Recherche. Ah, ils étaient fermés les Mythic Plus ? Ah bah c'est non, bah non alors. Ah, je savais pas qu'ils les avaient fermés. Du coup, on va partir en héroïque. Hein. On va partir en héroïque. Pas trop le choix. Bon, est-ce que c'est une bonne chose ? Comme toute spé autour des javelots et donc des doigts de givre, c'est pas une bonne ou mauvaise chose. C'est pro javelot quoi. Donc là le but ça va être d'avoir un maximum de doigts de givre. Donc essayer de trouver. Je pense qu'il y a possibilité de même ne plus jouer avec coup de foie et prendre plutôt grêlon. Je sais pas trop. Il y a toujours pas de date pour le prépage de l'extension. Ils ont annoncé 30 juillet, je crois. Je sais pas qu'il y ait de bonnes ou mauvaises situations.